Au nom du Père, et du Fils, et du Saint-Esprit. Amen. Bonjour, bonjour, chers frères et sœurs. Nous sommes de retour à Matin en prière. Je suis Colette, très heureuse d'être avec vous pour prier. Prier avec et pour l'Église, le Pape, les évêques, les prêtres, les religieux, les religieuses, les fidèles de la paroisse Thérèse de Pétionville, sur d'autres paroisses, et ceux qui ont migré vers d'autres pays et qui continuent à nous suivre sur Télé Thérésia. Nous prions avec et pour Monseigneur Chadic, curé de la paroisse Thérèse de Pétionville, avec Père Jean-Claude Junior Jachor et Père Kenol Laventure. Nous sommes au temps pascal. Nous devons rendre grâce à Dieu. Nous devons le remercier d'avoir envoyé son fils Jésus pour nous sauver. Nous le remercions pour tous les bienfaits qu'il nous accorde chaque jour. Depuis la naissance jusqu'à ce jour, nous le remercions chaque fois que nos désirs, nos besoins, nos souhaits sont comblés. Chaque fois que nous pouvons trouver un repas chaud, que nous avons la chance de travailler pour gagner des revenus, et chaque fois que nous avons la chance de pouvoir accompagner notre famille, nos enfants, durant tout leur parcours de vie. Mais je veux particulièrement que dans nos prières, que nous nous associons à tous ceux qui sont dans la souffrance, dans la détresse. Chers frères et sœurs, vous qui souffrez aujourd'hui, vous qui avez des difficultés, vous qui ne savez pas comment en sortir, je compatis avec vous. Par nos prières, que notre prière aujourd'hui nous accorde la force de surmonter les épreuves, la consolation de la souffrance, la lumière dans le doute, l'empathie qu'il faut et l'esprit de charité pour supporter d'autres frères et sœurs qui sont en difficulté. Avec nos frères et sœurs d'Haïti et sur d'autres pays qui nous suivent sur Télé Thérésia, en même temps que d'autres confessions religieuses, devenons les témoins de l'amour du Christ. Devenons des artisans de paix, afin que cette paix règne dans le monde entier, et spécialement sur Haïti, car nous en avons grand besoin. En ce temps pascal, suivons d'autres qui nous ont précédés dans la foi. Nous avons aujourd'hui un très grand modèle et intercesseur en la personne de Marc
qui était mort. Les actes des apôtres ainsi que les lettres de Saint Paul et de Saint Pierre nous présentent Marc et font mention de l'importante place qu'il a jouée dans l'Église à ses débuts. En partant de Jérusalem, quand Jean-Marc possédait une maison à Jérusalem, à travers les écrits des actes des apôtres, nous pouvons le suivre dans ses voyages apostoliques, aux côtés de son cousin Barnabé et aux côtés de Paul. Enfin, aux côtés du seul Barnabé au printemps de l'an 52. 10 ans plus tard, il est à Rome, collaborant avec Paul puis avec Pierre. Qui était Marc? Marc, c'est celui qui a toujours aimé servir dans le sillage d'une personnalité plus marquante que la sienne. Il a ainsi composé son évangile, recueillant la catéchèse romaine de Pierre, mais avec un style vivant, concret, direct. Il nous dit l'âme de son auteur. On a attribué à Marc la fondation de l'église d'Alexandrie et son tombeau est resté vénéré dans la banlieue de sa ville. Avec l'église, saluant aujourd'hui le contemplateur de Dieu qu'est Marc, demandons-lui d'intercéder pour nous, afin que toutes les communautés chrétiennes maintiennent leur foi en Jésus-Christ, dans l'adoration du Dieu unique. Dieu, viens à mon aide, Seigneur, à notre secours. Gloire au Père, au Fils et au Saint-Esprit, au Dieu qui est, qui était et qui vient pour les siècles des siècles. Amen. Seigneur Dieu, en ce temps pascal, accorde-nous ta miséricorde et la grâce de la conversion. Esprit Saint, étends ta lumière sur le monde et sur Haïti. Ouvre notre cœur, éclaire-nous, guide-nous pour que nous allions tous vers ta lumière en communion avec toi qui es amour. Donne-nous cette paix qui nous permettra de célébrer ta gloire dans la joie, l'espérance et la charité. Gloire au Père, au Fils et au Saint-Esprit. Ô Dieu qui est, qui était et qui vient pour les siècles des siècles. Amen. Avec des cris de joie, publiez la nouvelle. Le Seigneur a délivré son peuple. À pleine voix, proclamez l'évangile jusqu'aux extrémités de la terre. Christ est ressuscité. Alléluia. Par lui seul, le monde est sauvé. Alléluia. Acclamez Dieu toute la terre. Fêtez la gloire de son nom, glorifiez-le en célébrant sa louange. Dites à Dieu que tes actions sont redoutables. Venez et voyez les héros faits de Dieu, ses exploits redoutables pour les fils des hommes. Il changea la mer en terre ferme. Ils passèrent le fleuve à pied sec. Peuple, bénissez notre Dieu, faites retentir sa louange. Car il rend la vie à notre âme, il a gardé nos pieds de la chute. Ensemble, méditons le psaume 149.
en louant Dieu, nous, ses fidèles. Chantez au Seigneur un chant nouveau, louez-le dans l'assemblée de ses fidèles. En Israël, joie pour son Créateur. Dans Sion, allégresse pour son roi. Dansez à la louange de son nom, jouez pour lui, tambourins et cithares. Car le Seigneur aime son peuple, il donne aux humbles l'éclat de la victoire. Que les fidèles exultent, glorieux, criant leur joie à l'heure du triomphe. Qu'ils proclament les éloges de Dieu, tenant en main l'épée à deux tranchants. Tirez vengeance des nations, infligez au peuple un châtiment. Changez de chaîne les rois, jetez les princes dans les fers, leur appliquez la sentence écrite. C'est la fierté de ses fidèles. Gloire au Père, au Fils et au Saint-Esprit, au Dieu qui est, qui était et qui vient pour les siècles des siècles. Écoutons la parole de Dieu. Lecture de la première lettre de Saint Paul apôtre aux Corinthiens, chapitre 15, versets 1, 2 à 3, 4. Frères, je vous rappelle la bonne nouvelle que je vous ai annoncée. Cet évangile, vous l'avez reçu, c'est en lui que vous tenez bon, c'est par lui que vous serez sauvés, si vous le gardez tel que je vous l'ai annoncé. Avant tout, je vous ai transmis ceci, que j'ai moi-même reçu. Le Christ est mort pour nos péchés, conformément aux Écritures, et il fut mis au tombeau. Il est ressuscité le troisième jour, conformément aux Écritures. Parole du Seigneur. Nous rendons grâce à Dieu. Il est important, chers frères et sœurs, même quand nous sommes dans le doute, même quand nous sommes tiraillés par la souffrance, tenaillés par le désespoir, faibles, impuissants, il est important, chers frères et sœurs, de prendre un temps de présence intérieure, un temps de méditation, un temps de prière. François Varillon, jésuite, professeur de lettres et de philosophe, nous a laissé un texte que nous allons méditer sur ce temps de présence intérieure. Voici ce qu'il en dit. Il n'y a plus de nuée entre l'ascension et la fin des temps. Cela veut dire qu'il nous faut nous abstenir rigoureusement de regarder en l'air pour trouver Jésus-Christ. Non pas qu'il ne faut pas prier, mais qu'il ne faut pas chercher Jésus-Christ là où il n'est pas. Il est dans notre tâche, il est dans nos différentes communautés. Il est au ciel, mais le ciel, il est sur la terre. Le ciel, qu'est-ce que c'est? C'est Dieu. Le ciel n'est pas une chose, ce n'est pas un domaine. C'est quelqu'un, c'est Dieu. Le ciel, c'est la Trinité. C'est l'amour des hommes et où est Dieu? Dans notre liberté et pas ailleurs. L'ascension, ce n'est pas le départ du Christ. C'est sa disparition. Oui, sa disparition sensible. Autrement dit,
il cesse d'être à côté de nous pour être en nous. Il ne peut pas être à côté et en dedans. Ce n'est pas possible. Ce sont les limites du corps qui l'empêchent. Or, son corps est transfiguré, il est glorieux. Il n'a plus de limites. Sa présence est au plus profond de nous. Il est plus moi que moi. Il est ma vie même. Il est la source de ma vie. S'il est en moi au plus profond, il est évident qu'il est actif. Et s'il est actif, il transfigure l'accomplissement de ma tâche humaine. C'est le Christ ressuscité, présent et vivant au cœur de la liberté qui transfigure divinement l'accomplissement de la tâche humaine, qui est toute notre vie une activité humaine humanisante. Ensemble, méditons le cantique de Zacharie. Béni soit le Seigneur, le Dieu d'Israël, qui visite et rachète son peuple. Il a fait surgir la force qui nous sauve dans la maison de David, son serviteur. Comme il l'avait dit par la bouche des saints, par ses prophètes depuis les temps anciens. Salut qui nous arrache à l'ennemi, à la main de tous nos oppresseurs. Amour qui montre vers nos pères, mémoire de son alliance sainte. Serment juré à notre père Abraham, de nous rendre sans crainte, afin que délivrés de la main des ennemis, nous le servions dans la journée et dans la justice et la sainteté en sa présence tout au long de nos jours. Et toi, petit enfant, tu seras appelé prophète du Très-Haut. Tu marcheras devant à la face du Seigneur et tu prépareras ses chemins pour donner à son peuple de connaître le salut par la rémission de ses péchés, grâce à la tendresse, à l'amour de notre Dieu quand nous visite l'astre d'en haut, pour illuminer ceux qui habitent les ténèbres et l'ombre de la mort, pour conduire nos pas au chemin de la paix. Gloire au Père, au Fils, au Saint-Esprit, au Dieu qui est, qui était, qui vient pour les siècles des siècles. Amen. Louange et intercession. Les apôtres nous ont annoncé la bonne nouvelle de Jésus. Rendons grâce à Dieu, notre Père. Loué sois-tu, Seigneur. Loué sois-tu pour ta sainte Église, édifiée sur les apôtres. Elle est le corps que nous formons. Loué sois-tu pour ta parole, pour la parole qui nous ont fait connaître. Elle est notre lumière et notre joie. Loué sois-tu pour le baptême et la pénitence qu'ils nous ont annoncé dans la foi. C'est là que nous sommes pardonnés. Loué sois-tu pour l'Eucharistie qui nous a transmise. Elle est notre force et notre vie. Prenons un moment de silence pour confier à Dieu nos intentions personnelles de prière. Seigneur, écoute nos prières et daigne les exaucer. Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Réjouis-toi, Marie, comblée de grâce, le Seigneur est avec toi. Tu es bénie entre les femmes, et Jésus, le fruit de ton sein, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, prie pour nos pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Réjouis-toi, Marie, comblée de grâce, le Seigneur est avec toi. Tu es bénie entre les femmes. Et Jésus, le fruit de ton sein, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, prie pour nous pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen.
Gloire au Père, au Fils et au Saint-Esprit. Au Dieu qui est, qui était et qui vient pour les siècles des siècles. Amen. Ô doux Jésus, pardonne nos péchés, préserve-nous du feu de l'enfer et conduis aussi à toutes les âmes, spécialement celles qui ont le plus besoin de ta miséricorde. Cœur sacré de Jésus, j'ai confiance et j'espère en toi. Esprit Saint, éclaire-nous, sanctifie-nous, fortifie-nous. Nos saints anges gardiens, veillez sur nous et protégez-nous. Saint Michel Archange, défends-nous dans le combat. Notre-Dame du perpétuel secours. Secours-nous, secours Haïti, secours le monde entier. Protège l'Église, protège notre foyer et bénis nos enfants. Saint Joseph, prie pour nous. Sainte Thérèse de l'Enfant Jésus et de la Sainte Face, prie pour nous et conserve-nous dans la foi. Seigneur Dieu, tu as accordé au bienheureux Marc, ton évangéliste, l'honneur et la grâce de proclamer la bonne nouvelle. Fais-nous profiter de son enseignement pour que nous marchions dans la foi sur les traces du Christ. Oh Jésus-Christ, ton Fils, notre Seigneur, lui qui règne avec toi et le Saint-Esprit maintenant et pour les siècles des siècles. Amen. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Nous sommes à la fin de la prière. Nous ne partons pas sans remercier les constants donateurs et bienfaiteurs de la paroisse Thérèse de Pétionville et de Télé-Thérésia. Merci au clergé de la paroisse Thérèse de Pétionville qui a rendu cette émission possible. Merci aux techniciens de Télé-Thérésia. À tous ceux qui nous ont aidés à préparer cette prière, nous disons merci. À vous tous, chers frères et sœurs, qui priez avec moi ce matin, particulièrement ceux qui suivent chaque jour Télé-Thérésia pour la prière du matin, le chapelet du midi, la prière du soir, les neuvaines, les messes. Je vous dis un grand merci pour votre support. Partagez ces émissions. Donner à d'autres l'opportunité de vivre leur foi à travers ces moments de prière. Je vous souhaite donc une agréable journée dans la foi et l'amour du Christ. À bientôt.